messieurs, dames, on a besoin de spectacles vivants, non? Oui. On a besoin de spectacles vivants, non? Oui. Ouais, ben voilà, alors le cabaret, ça en fait partie. Alors, ce soir, je suis allée vous chercher la crème de la crème. Des artistes, mais alors en haut du panier. Hein, c'est bien simple, des artistes internationaux. Il y en a qui viennent de Montréal, dans le Gers. Attention, on ne s'est pas moqué de vous, vous allez voir. Tout de suite, sans plus tarder, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames, pour la première candidate qui a un petit peu les chocottes, il faut le dire. Il s'agit de Fabienne. Un tonnerre d'applaudissements pour Fabienne. Ce soir, bienvenue au spectacle de Pauline Cartoon, donc c'est une humoriste parisienne qui est originaire du Lot-et-Garonne et qui maintenant est sur Paris, tourne sur Paris, habite sur Paris et qui nous fait le plaisir de venir nous présenter son spectacle qui s'appelle le Cabaret Peps et qui est un cabaret humoristique. Son spectacle donc tourne sur Paris, tourne sur toute la France et elle nous fait le plaisir ce soir d'être à Colérac. Ouh là là ! La magicienne a disparu ! Oh ! Bravo ! Elle doit être dans la matrice ! La matrice de quoi ? Mais taisez-vous, madame ! Je vous entends plus, je suis dans la galaxie ! Mais pour que je revienne, il faut compter jusqu'à 3 ! Merci beaucoup à la mairie de Colérac d'organiser des soirées comme celle-ci où on peut s'exprimer avec soit des créations, soit des pièces de théâtre contemporaines ou plus classiques. Là, c'était du café-théâtre ce soir. Je suis contente parce que les gens sont venus nombreux et contents. Donc, du coup, un grand merci aux bénévoles, à Julien Duroux qui a fait la programmation, à toute l'association autour de ces événements. Merci le maire d'avoir le réflexe de faire ça à Colérac. C'est super de proposer du spectacle vivant dans un village et de voir au fur et à mesure les gens venir de plus en plus nombreux parce que ce genre de manifestation, ça marche avec le bouche à oreille. Donc je souhaite longue vie à cette association culturelle. Merci beaucoup. Non, en fait, moi, je suis pas une raconteuse de blagues. Hein. Moi, je suis une chanteuse réaliste qui chante la réalité des choses. Ah. Au pays de Flamby, Gaillet a fait son nid. Il y a eu Ségon et Valérie. Il y en a qui veulent être punis. Vous pouvez vous applaudir très fort. Merci beaucoup.